écoutez-moi un petit peu ces coups de violon, c'est quand même sublime. Commencer une vidéo sur un coup de violon, il n'y a rien de plus beau. Moi, qui suis musicien depuis quand même bon nombre d'années, je trouve ça magnifique. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi, ça va très bien, nous en sommes à l'épisode 18 de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. Et j'ai cru voir quelque chose, je me trompe très rarement, il y avait une petite caisse de ravitaillement. Souvenez-vous donc, nous avions fait deux quêtes annexes très sympas lors du précédent épisode, l'épisode 17 bien évidemment. Et là, il est temps d'aller les rendre parce qu'on n'a pas récupéré notre XP. Donc on va récupérer non seulement l'XP mais en plus les petites récompenses qui accompagnent souvent les quêtes annexes. Mais c'est pas tout. On va pouvoir s'attribuer des nouveaux points de compétences, faire un camp de niveau 20 parce que quand même, il faut le faire. Et reprendre notre quête principale. Comme quoi, on avance plutôt bien. Merci à tous pour vos messages durant l'épisode 17. Alors attendez, parce qu'il y a la chorale à Fufu là qui s'arrête pas de chanter. On va lui rendre la quête. En effet, on m'y a invité. Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes. Grâce à ce qu'on a fait? Grâce à toi. C'était pour les pèlerins. Je crois qu'ils vont mieux. C'est toi qui les as guidés sur la voie. Nul ne sait ce qu'il adviendra. C'est là le lot des prêtres. La tunique rouge t'irait bien. J'en doute. Et puis, votre temple n'accepte pas les femmes. Elles nous enrichiraient pourtant. Avance dans la lumière. Laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci, Naman. Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible. De bien belles paroles pour finir cette quête, honorer les victimes. De très belles paroles, c'est pas tout. Alors, on a bien évidemment 5000 points de compétences, c'est pas dégueulasse, c'est une boîte de récompenses de type remarquable, c'est plutôt cool. Nous passons niveau 23 dès le début de vidéo, c'est encore plus cool. On a une seconde quête à rendre qu'on va rendre de suite, on va pas l'oublier quand même celle-ci, qui est à 137 mètres. Donc comme je vous disais, un grand merci à vous pour tous vos commentaires totalement incroyables pour l'épisode 17 d'encouragement. J'ai passé mon petit message, voilà, c'était le but. Beaucoup l'ont compris. Et c'est ce qui m'importe. Honnêtement, c'est ce qui m'importe. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas, c'est pas grave, nous n'en parlerons plus de toute façon. Peu importe le let's play. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Il fait tellement bon en ce moment que j'ai le sourire. Tellement... Il y a du soleil. Il y a du soleil, ça me donne, frère, envie de sortir à Bricorama un samedi. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible. C'est terrible, mais ça, c'est beau. Bref, j'espère que vous passez de bonnes journées. En attendant l'été, moi en tout cas, franchement, je suis en plein pèlerinage aussi de mon côté. Après l'angine qui m'est arrivée et puis l'allergie aux antibiotiques. Donc, c'est un plaisir de revenir en pleine forme. Raven, dis-moi tout. Un certain Nassan est venu me voir et nous avons conclu un accord. Un accord qui devrait aider beaucoup de gens à Brunante. Dire que tout ça est parti d'un vol. Comme on dit, suis l'ombre et tu trouveras une lueur. D'accord, bon, il avait pas plus que ça à me dire, écoutez, il avait pas trop envie de discuter. Eh, c'est compréhensible. 3000 XP, une boîte de récompense remarquable. Il est quand même temps d'aller voir un petit peu ce qu'offre... ce coffre, pardon, ouais, j'oublie de faire les liens entre les mots, ça va pas du tout. Ce coffre, les boîtes à trésors, il y en a pas mal. On va bien évidemment tout récupérer. Bon, c'est pas super intéressant. Ouais, il y a des packs de déplacement rapide. Il y a plus de bobines qu'autre chose. Ah, c'est pas ouf. Très honnêtement, je trouve pas ça ouf. Des pièges. Alors, j'utilise très très peu les pièges. Parce que c'est vrai qu'on peut faire le jeu quand même un peu... on va l'appeler un peu en full infiltration. Je pense que c'est le cas de le dire. J'utilise très très peu les pièges. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il faut savoir que j'aime... Je suis pas fan. Je suis pas fan de poser un piège à tel endroit et de revenir... Enfin, de faire en sorte que l'ennemi aille dedans. Et nous sommes donc partis pour faire un incroyable camp de niveau 20. Il va pas être facile. Je vais être très honnête avec vous, il va pas être facile. On va le tenter. Que dis-je? On va pas le tenter. On va le faire. On va essayer de le faire en full infiltration. Je peux me faire cramer hein, à tout moment par contre. On va pas se mytho les gars. Mais bon, perso j'y crois. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de... On va pouvoir faire quelque chose de bon. Alors, il est temps de faire gaffe, bien évidemment, à ses ressources. On va se mettre au max. Voilà, on est pas mal là. Hop, on met tout au max. Ok, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Corde de ligotage. Ça, faudrait l'essayer aussi sur des mechas. Ça serait pas mal.
histoire de varier un petit peu le gameplay. Ok, donc on va récupérer tout ça. Hop, guimauve médicinale. Oui, c'est de la guimauve. Ah bah les gars, fallait le savoir, hein, la guimauve là. Tu vois ce que tu manges dans les petits nounours en chocolat? Ah bah c'est ça, c'est des plantes à la base. Non, pas du tout, c'est du sucre. Alors attendez, parce que là, il y a pas mal de monde. Ok, un. Je vais en marquer quelques-uns. Oh putain, on peut le marquer aussi loin, pas mal. Pas mal, Albert. Ok. Bon. Alors lui... Ok, une flèche suffit. Une flèche suffit pour ceux qui n'ont pas de casque. Il va falloir faire quand même relativement attention. Parce que là, on est sur un camp de niveau 20. Rien n'est laissé au hasard, vous vous en doutez. Donc à mon avis, des débris antiques. Ok. Ok. On peut aussi siffler, hein, évidemment. Bougez pas, on va se mettre la fonctionnalité de sifflement qui est ici. Ok, j'en ai attiré un. Oh putain. J'ai pas fait gaffe à lui à droite. Ok, il y a lui qui va arriver. Il vient à travers le feu d'ailleurs. Attendez, hein. Ok. Large les mecs. Je vous avoue que j'ai stressé un petit peu. Lui on va se le faire aussi. Voir ça. Il s'est accroché à ses jambes et tout à coup. Ok, tu parles tout seul frérot. Ah ça va pas être évident, hein. J'essaye vraiment de la faire full infiltration, hein, histoire qu'on kiffe un petit peu les gars. Je vous avoue que ça va pas être évident. Je sais pas si je peux le tuer du premier coup. Normalement, mais il a l'air plus baraque que les autres. Oh putain. Sans la compétence attaque de chef, je ne peux pas. Bon. Bah les gars, il est temps de s'appliquer cette petite compétence. Attaque de chef. Bien les gars. Alors là, bravo. Vous me mettez ça à la fin, qui permet d'éliminer silencieusement les humains, unité lourde. Ah c'est pas cool. Vous me foutez ça à la fin, putain les mecs. Ok. Alors comment je vais pouvoir le faire? Comment je vais pouvoir faire, pardon? Vous savez quoi, on va passer par ici. On va passer par ici. Oh, je pense que je vais me faire cramer. Je suis désolé d'avance. Ok. Je me suis pas fait cramer par chance. J'ai peur parce que là, je suis un petit peu au milieu de tout, je vous avoue. On va rester calme. Ok. Là, on est vraiment au milieu du village. Lui, il faudrait que j'arrive à l'atteindre. Personne... Ah putain, mais ils sont vraiment partout. Oh là 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 là, ils sont tellement nombreux. On va essayer de tous les marquer, mais... Oh là là! Vous êtes bien trop nombreux, messieurs! Ok. Lui, il a pas l'air de bouger. Alors lui, une flèche dans la tête suffit amplement. On l'a déjà étudié tout à l'heure. Oh la vache. Ok, j'ai cru que quelqu'un avait été alerté là-haut. Bon. Écoutez là. Ils ont emmené leurs prisonniers ici. Là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas, là. Ok, les prisonniers sont ici, très bien. Il y a le signal d'alarme aussi là-haut. On va passer par ici. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, feu de camp. Lui, on va essayer. Ok, impeccable. On en est débarrassé. Je fais vraiment mon maximum. C'est la première fois que je le fais, hein, les gars. Hein. Y a pas de, là, il n'y a pas de retry ou autre. Ok. On va essayer de se le faire pour la beauté du game. On va prendre le sniper pour être sûr que ma flèche... Oh putain, attendez, vous l'avez vu, lui, en bas? Ouh, la vache. Ok, lui, c'est un gars plutôt classique. Oh putain. Le premier, faut pas qu'il ait le temps de faire un truc.
Ok. Bon. Bon, bon, bon. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je me suis simplement... tout simplement gouré de touche. C'est un plaisir. Bon. Et ben voilà, on parlait de retry. On y est. On va le refaire, c'est pas grave. Je vais refaire exactement le même chemin. Il me paraissait clairement judicieux. Et puis, c'est pas grave les mecs. Hein. Tiens, on va se recrafter tout ce qu'on avait besoin. Voilà, sait-on jamais sur un malentendu. On va peut-être les utiliser très très vite. J'en ai pas éliminé assez, pour pouvoir me permettre de la jouer full bourrin. Donc c'est pas grave. Alors, ce qui a enchaîné ça, c'est non seulement le mauvais move de ma part. Hein, j'ai sauté bien évidemment au lieu de juste me lever. Mais c'est pas que ça. C'est que si je voulais me lever, c'est que vous avez vu que ma flèche avait fracassé un objet invisible. Et donc, c'est ce qui avait entraîné le fait que... Ah putain. Ah d'accord, très bien. T'as préféré disparaître. Reprenez vos activités. Ok. Peut-être qu'en faisant tout le tour aussi, ça pourrait être pas mal ça, non? Qu'en pensez-vous? Voilà. Lui, c'est fait. Déjà en moins, mine de rien, c'est mieux que rien. Bon, il s'est douté d'un truc, mais il sait pas. Ah. Ok. Je vais l'alerter. Et je te tuerai rapidement. Ok, non, il viendra pas. Est-ce qu'il peut me voir en travers? Hein? Non plus. D'accord. C'est juste le bruit qui l'a alerté. Bon, c'est rien, c'est pas une alerte en soi. Ok. Donc on est parti, on va dans notre petit fougère là. Et on va analyser toute la situation, on va continuer de les marquer tous. Hop. Attendez. Voilà, lui on va le marquer calmement. Parce qu'on va se le faire. Voilà. Aucun putain de souci. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mec derrière quatre murs qui a entendu mon sifflement. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, il y a des gens, ils sont bons. Ils sont très bons. Attendez, on va se tirer. On va faire exactement le même chemin qu'on avait emprunté. Hein. Il y a deux mecs sous alerte, mais je crois... Je te dis toujours, patience. Je crois qu'ils ont bugué, hein, réellement. Ah, mais là... Vaut mieux y aller en attaque silencieuse. Allez, ça dégage. GG à moi. Les moves sont présents. Lui, on va se le faire calmement. Je pouvais avancer jusqu'ici. On est revenu à notre point initial. Sauf que cette fois-ci, on a eu l'intelligence de tuer quelqu'un d'autre sur les bords du village. Hop. Voilà. Bon. Cette fois-ci, les gars, je vais essayer de pas foirer mon coup. Hein, vous l'aurez compris. Hop, j'ai marqué le signal d'alarme. Si on peut le désactiver, ça m'arrangerait, je vous avoue. C'était lui, il me semble. Des prisonniers. Ce sont des esclavagistes. Ok. Alors, cette fois-ci, je vais vous demander le silence total. Donc, on avait fait celui-ci. Voilà, personne ne se pose de questions, c'est incroyable. Alors, si je siffle, est-ce que quelqu'un va venir, d'après vous? On va essayer ça tout de suite. Je ne peux pas. Je ne peux toujours pas. Je ne sais pas pourquoi je peux pas siffler. Ah, genre, s'il n'y a personne à attirer, elle sifflera pas. D'accord, très bien. Ok, pourquoi pas. Bon, alors là, ça va être chiant parce qu'ils sont trois quand même. Hein. Ils sont trois, dont un croupi tout là-haut. On va essayer de se le marquer. Hop, non. Non, non, non. Voilà. Ok, comment on va pouvoir faire? Il y a lui en hauteur aussi que j'aimerais avoir. Ok, en plus, c'est un gars plutôt classique. Comment on peut faire? On va se caser ici. On va voilà se caser l'alarme, ici. Je vais la surveiller. D'accord, ah oui, les gars, Ok, on attire toujours les mecs à l'autre bout de la map, d'accord? Vous l'aurez compris. C'est-à-dire que quand tu siffles, c'est pas le mec à côté qui se dit « Tiens, c'est bizarre quand même, quelqu'un a sifflé. » Non, non, c'est le gars à l'autre bout de la map. Viens, frérot. Il y a quelque chose de violet, vous l'avez vu.
Il y a lui, il passe par des chemins plus que... Oh putain, j'ai peur de me foirer sur lui, je vous avoue. J'ai peur de me foirer sur lui. On va Bandela. Oh là là. Là, vous voyez encore l'obstacle invisible qui risque d'arrêter ma flèche. La terre a soif de pluie. Moi, pas trop. Ok. Merci à toi, Aloy, en tout cas. Oh, les petites remarques comme ça, on kiffe bien. Il y a quelqu'un à l'autre bout là-haut qui a été attiré par on ne sait quoi. Peut-être un aigle. Ok, vous savez quoi? Ça devait être le vent. Oh putain! Aloy, ne fais pas ça! Ok, c'est bon. Putain, mais lui, ils prennent des chemins chelous hein, quand ils doutent de quelque chose. Faut que j'arrive à aller dans ces herbes là. Ok, débris antique, je prends. Ok, j'ai réussi à avancer un petit peu. Ok. C'est bon. C'est pas mal. Il reste du monde. Il reste du monde. Comment on va faire? Il y en a un tout là-haut. C'est E2 qui me gêne en fait. C'est E2. Donc on va repartir sur un classico. On va repartir sur une double flèche latérale. Par là. Ok, lui c'est fait, donc lui. Une bonne chose de faite. Une très 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 bonne chose de faite. Ok, on continue. C'est dommage qu'on puisse pas déplacer les cadavres, vous l'aurez compris. Parce que dans ce cas précis, bah je pouvais rien faire, malheureusement. Ok, il y a notre signal d'alarme qu'on va désactiver de ce pas. Il y a lui, on va se faire aussi, calmement. Ok, normalement, je suis pas cramé, là. On est bien d'accord. Ok, plus de signal d'alarme. Bon, je pense que ce camp ne va plus trop poser problème. On va pas parler trop vite, néanmoins. Parce qu'il me reste pas mal de monde. Surtout un mec assez, assez balèze. Alors, il y a lui. Par contre, ok. Je me demande si c'est le dernier camp. Je doute, hein. Je pense qu'il y a encore un camp bien plus puissant. Un camp de niveau 30, peut-être. Alors attendez, il est là, il est de dos. Ah non, il est pas du tout de dos. D'accord. Ok. Lui, c'est fait. C'est pas mal. C'est pas mal. On va tout fouiller. On s'est débarrassé. On s'est débarrassé de pas mal de personnes dans le secteur. On va pouvoir passer à l'autre secteur. Celui de l'entrée, donc vous l'aurez compris. Ok. On va peut-être libérer les otages, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, ils vont me suivre ou pas si je les... Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est le signal d'alarme. Ok, on va libérer les otages. Les pauvres, miskin, ils sont là, ça fait 3 heures, ils attendent. Ah, je prends mon temps, mais c'est pour vous faire kiffer un petit peu, les gars. On n'a pas toujours... On n'a pas toujours cette occasion de vous proposer du full infiltre. Je parle pas trop vite néanmoins, c'est pas terminé. Alors, quand il y a des décors comme ça, j'ai toujours peur que la flèche se fracasse sur quelque chose d'invisible. Tiens, ils sont là-bas, les otages. Je les avais perdus. Bon, les frérots, je vous libère. Faites pas de bruit, faites pas les cons. Hein. Je ne vous laisserai pas ici. Voilà. Me faites pas cramer, surtout. Hein. C'est le principal. J'aimerais vraiment montrer quelque chose de cool dans cet épisode 18. Donc, déconnez pas. Allez, cassez-vous, par contre. Ok, il reste combien de personnes? Il en reste un. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, tout là-haut, là? Ok. Ah, mais il y a pas mal de monde encore. Bon, il en reste 4. Il en reste 4 dans mon Pokéradar. Ils ont cramé, je sais pas... D'ailleurs, je sais pas qui ils ont cramé. D'accord, alors attendez. Comment on peut faire pour... J'aimerais bien voir sa tête. Ok, on peut pas. Ils sont encore en suspens. Voilà. J'ai pas été cramé, messieurs. Personne n'est passé en rouge.
Il a failli passer en rouge, certes, mais c'est pas le cas. Ok. C'est pas terminé, on va profiter de leur... leur folie. Oh putain. Lui, c'est un mec méga strong. C'est un mec méga chaud. C'est pas terminé. Ok. Enfin. Dis-moi si tu vois quelque chose. Ça y est. Putain, il a une arme lourde, ce petit bâtard. J'ai bien envie de tenter un petit truc, les gars. Oh putain, toi, je t'ai pas vu. J'ai bien envie de tenter un petit truc. C'est d'utiliser les pièges pour la première fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va le faire. Je sais pas comment ça fonctionne, les pièges, réellement. Alors, ok, j'applique ça. Je suis pas sûr que les pièges, ça soit pour les humains. Ou alors l'humain est réellement con, hein, vraiment. Ok, on va essayer de se faire celui à droite. Ah, mais c'est un balèze, putain. Ah, c'est que des balèzes. Ah, il reste que des balèzes, quasi, dur. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On a leur bas de cave. Incroyable. Très intéressant. Bon, on va tout fouiller parce que là, on va se régaler. Oh ouais, regardez-moi ça, regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Bon, je pourrais prendre l'arme lourde, ça rendrait le truc beaucoup plus facile. Mais est-ce que c'est notre objectif? Je ne pense pas, messieurs. Je ne pense pas. Vous voulez du Mr. B-Boy qui vous propose des frissons, du challenge, de l'infiltration, du si, du sexe et du sun? Eh ben, je vais vous l'offrir. Ok. Il reste qui? C'est qui là-haut, là, qui est marqué? Il y a quelqu'un là-haut? Il y a quelque chose qui est marqué. Ah, c'est le signal d'alarme, je suppose. D'accord. Bon, il reste 3 personnes. 2 personnes, peut-être. Ok, on va s'en occuper. On va s'en occuper sans aucune putain de pression. Vous en pensez quoi? J'aimerais votre avis. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Cool ou pas cool ce que j'ai fait? Franchement, Sartek ou pas? Pas mal, hein? Ah, c'est normal, les gars. Je suis là pour... Et voilà, le bug. Le bug de l'objet invisible. Et ça, c'est terrible. Putain, je sais pas ce qui a empêché ma flèche, mais c'est vraiment relou. Fin! On a qu'à... Waouh! J'ai parlé trop vite! Attends, Starky Yotch! Oh putain, je croyais qu'il prenait pas les dommages. Wow! Oh, la vache! Tout se passe très rapidement. Hop! Ça, c'est pour l'effet de style. Ça m'a permis... Oh putain. Et ben voilà! On l'a, notre campement, non? Yes! Camp bandit, four brisé. On l'a fait en full infiltration, les amis. Bon, mis à part le dernier, mais il avait personne alerté. 15 000 XP! Incroyable! On est presque niveau 24 d'ailleurs, je crois. On est niveau 24, mais c'est dingue! C'est dingue! Oh là là, c'est fou! Oh là, on a proposé quelque chose de... Un point de compétence supplémentaire, santé max 10 plus 10. On a proposé quelque chose de dingue. Bon, c'est pas terminé, on va pas s'arrêter là. Moi, je me laisse pas faire, les potos. Vous savez ce que j'ai envie de faire, là? J'ai envie de vous proposer un long coup. J'ai envie de vous proposer un putain de long coup, ouais. Ouais. Ce crépuscule est entièrement la faute du roi. Ça me paraît pas mal, ça. Qu'est-ce que t'as à vendre, ma belle? Dis-moi tout. Dis-moi tout, tu dois avoir forcément des petits trucs sympas, non? Ok, ça c'est pas mal. On a des frondes. Je peux acheter pas mal de choses. Encore une fois, je peux aussi acheter la tenue, vous en faites pas, je le sais. D'ailleurs, c'est laquelle, la tenue? Ah, c'est elle qui m'intéresse, hein. La tenue anti-éléments. Elle me plaît bien, elle me plaît bien. Après, on pourra avoir une tenue antique, je sais pas trop.
À vous de me dire, si on l'achète. Je vais vous écouter cette fois-ci, les amis. Dites-moi en commentaire, B-Boy, achète la tenue lourde de Nora contre les 4 éléments. Et si vous voulez que je l'achète, je l'achèterai. Prochain épisode, c'est promis. On va faire un long coup parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie de kiffer un petit peu. J'ai envie de vous proposer du rêve, du dream, comme on dit chez moi, tout simplement à la maison. Donc, on va le faire. Vous proposer une belle vue aussi. Et puis, on va pouvoir s'arrêter là. On aura fait un très bel épisode 18. Et on aura découvert la moitié de la carte. Bon, par contre, là où c'est chiant, c'est que pour faire les longs coups, il y a du chemin. Il y a du chemin et là, attendez, c'est la quête qui me dit... Oh putain, ouais, il est pas à côté, hein, ce petit... C'est pas mieux ? Allez, on va se taper ici. Beaucoup mieux. Et dès qu'on aura fini le long coup, les amis, on va s'approprier tous nos points de compétence. C'est à 500 mètres. Comment je vais faire pour aller là-haut ? Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, on va le laisser. Oh, regardez comme c'est beau, putain. Regardez comme c'est beau. Alors, le long coup, comment on va faire pour pouvoir y accéder ? On est d'accord que il y a des chemins. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé, faut aller sur la droite. Faut aller par là-haut. Très bien. On va essayer de trouver un petit site de galopeurs. Tiens, c'est quoi ça ? C'est des galopeurs ou pas ? Non, ça, on peut pas les chevaucher. On va se balader. Oh, c'est magnifique, hein. Les gars, encore une fois, là, là, on est dans la partie de la vidéo où bah, t'admires, quoi. Tu te poses, tu te cales, t'es bien. Par contre, s'il y a des vautours qui tournent autour, il y a un très très gros vautour au-dessus de moi. Attends, c'est quoi ça ? Bon, je me croyais dans Star Wars pendant un moment, je sais pas bien, je commence à voir flou. Oula ! Ma tunique à bug ! Ok. J'ai bien tenu mon cuir. Ça, je peux pas les chevaucher. RTC, c'est triste. Hop, un petit veilleur ici. Ok. Continue, c'est par ici, hein. Faut suivre le chemin. Attendez, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Yes, on va activer ce feu de camp par la même occasion. Donc c'est toujours tout droit. Et c'est direction le long coup. Alors, les longs coups en ce moment, ils sont énormément bien protégés. Il nous en restera plus qu'un après celui-ci. Et on aura terminé, et ça c'est plutôt cool, ma foi. Tiens, on va activer le feu, il est où là ? Je ne le vois point. Attendez, je ne le vois point. Voilà, toi par contre tu me donnes parce que si t'as de la viande riche, c'est très 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 intéressant pour crafter des potions et tout ce qu'il me faut. Il y a des taureaux là-haut, il y a des taureaux, donc vous savez quoi, on va en prendre un. On va en prendre un, hop. Oh putain, bande de bâtards. Ok, on va prendre un taureau. On va prendre un taureau parce que là il y a les carapateurs. Vous avez vu, j'ai retenu, hein. J'ai retenu le nom cette fois-ci. Ils sont où les frérots là? Peur, rassure-moi, tu me les indiques pas à 4,5 km. On va prendre ça aussi. Ça peut servir. Voilà, plante de givre. Attends, ils sont où là? Frérot, les gars? Les potes, les potes, les potes. Ah, ils sont là. Impeccable. Ok, on va prendre celui-ci. Il est tranquille. Hop. On va prendre celui-ci. C'est écarté des autres. C'est... Ça tombe très très bien. Ah, d'accord. Frère, t'as perdu ton front. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Ok, bon, bah écoutez, on va faire par où faut passer. On peut passer par ici. Yes, on a l'air de pouvoir passer par ici. Et bah on y va. Aucun souci. Allez. Ne paniquez pas. Mon focus reçoit un autre signal. Ok, nous sommes à 200 mètres. 200 mètres, c'est très court. Hop, voilà, bon, ça c'était pour le style. Je crois que je me rapproche du signal. Attendez, c'est quoi ça ? Ok. Il faut juste il est que beau. J'atteigne la tête du grand coup. Alors comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Les tueurs, qu'est-ce qu'ils font ici ? Comment on peut faire ? Faut que j'arrive. Ils essaient de capturer le grand coup. Faut que j'arrive à escalader. Ah, ça va pas être évident, hein. Alors attendez, je vais essayer de pré-shot. Je pense que là-bas, on peut se caler. J'ai vu qu'il y avait des tueurs, hein, vous en faites pas. Ok. Je leur ai fait une petite Jackie Chan, je vous avoue.
façon, vous vous doutez que... Ok. Bah les gars, le mec il est là, il tombe à pic. Impeccable ou pas? On n'a plus qu'à monter. Par contre, comment faire? Ça c'est une très bonne question. Que je vais essayer de répondre avant qu'il fasse un tour complet. Comment je peux monter tout là-haut? Ok, on va prendre ceci. Ok, c'est une carrière ici, c'est très intéressant. Peut-être par ici, non? Putain, comment je peux monter? Ah putain! Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Deux armes lourdes! Incroyable mais vrai! Putain, comment on peut monter? Ok, là ça devient chiant en fait. Ça devient chiant parce qu'il n'y a aucun point pour pouvoir se... Ah si, peut-être là, attendez. Non, putain. Alors, il ne veut pas faire d'effort. Comment je peux faire? Il y a forcément... Ah, la tyrolienne. Là, je vois une petite échelle. Voilà. Venez, 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 ça me gêne pas, venez. On va se free fight. Ah, pardon. Ah, j'avais pas vu ça. Venez pas. Je cherche encore. Venez pas, venez pas, c'était une blague. Je t'ai trouvé. Oh, putain. Ok. Ok, 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 ok. Genre, à ce point-là, je ne pensais point. Hop, toi t'es mort. Oh, c'est le plaisir, hein. Plaisir d'offrir. Waouh. Ok, ils ont une machine corrompue, ça c'est chiant. Elle m'a cramé à 4,5 km. Ok, vous savez quoi? Attendez, hop. On va poser un piège ici. Voilà. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Quoi? Wow, 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 wow. Oh putain, ça pète tout. Ok, ça pète tout sans aucune putain de pression. Hop, ça dégage. On va tous se les faire comme ça, c'est pas grave. Voilà. Ok, maintenant on va passer aux flèches plutôt classiques. Voilà, je l'ai pas fait en infiltration. Hop. Voilà. Ah, bien joué à toi. Dans la gueule. Hop, j'ai stressé au dernier moment. Voilà, touché. Ok, qu'est-ce qu'il m'envoie là? Oh putain, casse-toi, casse-toi. Ça a pété. Ok. Ouh! J'ai presque son point faible. Bougez pas. Ah bah ça change du village de tout à l'heure, hein. Là c'est sûr qu'il n'y a pas d'infiltration les gars, hein. On est passé à une nouvelle étape. On est passé à une nouvelle étape d'attaque. Ok, pas mal. Pas mal ce qu'il m'envoie par contre. Hors de danger, là, vite fait quand même. Ah oui! Ah pardon! Excusez-moi monsieur! Ah oui! Ah, c'est assez efficace! Je garde volontiers! Je prends! Ok! Bon, on va liquider tout ça! Oh là là! Les salves! Les domaines sont présents, les amis! Oh, c'est incroyable! Oh là, je l'ai dit ici, putain! Ok. C'est juste fou. Cette arme est juste dingue. Qu'est-ce que c'est, ça, là-haut, qui est gigantesque? Ok. Plus qu'un. Plus qu'un et on sera tranquille. Et ben voilà. On est tranquille. Ok. Bon, c'était juste des gardes, c'était pas un avant-poste, c'était rien de tout ça, c'est tranquille. On va pouvoir réussir, enfin, trouver un moyen déjà de monter là-dessus, sur la bête.
Ça va pas être évident. Voilà, tiens, on va ramasser tout ça. Comment je peux monter? Putain, c'est chiant. Y a pas de point de... Je vois pas de point d'accroche. Y a des sortes de trucs en bois, mais... Impossible de monter dessus. Comment je peux monter? Comment je peux monter? Ah, j'ai trouvé! J'ai trouvé, normalement... Ok, j'ai trouvé, impeccable, c'est bon! On a trouvé le moyen de monter sur la bête. Tiens, on va tout ramasser. Voilà, on se régale. Ah, c'était sympa cette petite carrière. Protégée par des humains cette fois-ci. Ok, donc c'est par ici. Ensuite, on monte encore, on monte au max. Ok. Par contre... On va l'attendre. Ah, je doute que... Je sais pas s'il passe exactement par ici, hein. J'ai pas l'impression. Ok, vas-y, frérot. J'ai plus l'impression que c'est possible, c'est faisable par ici. Attendez, on va essayer. Ça me paraît plus cohérent. Ça me paraît beaucoup plus cohérent. C'est l'endroit idéal pour sauter sur le grand. Yes. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Je peux pas le ramasser, attendez, bougez pas. Ah, oh, flèche électrique. Bien sûr que si, je peux ramasser, impeccable. Allez! On est parti, j'ai récupéré aussi des flèches électriques, okay. C'est plutôt cool. Faut que je grimpe sur sa tête. Voilà, ensuite, on va passer par ici. On y est, bah c'est plutôt cool. J'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas cet épisode 18. On a fait des trucs totalement dingues. Tiens, maintenant. Oula. Aloy, tu me fais très très peur. Ok, voilà. On y est, vas-y. N'aie pas peur, hop. Allez, on pirate. Ça va nous donner accès à l'avant-dernière partie de la map. Il nous restera un grand coup. Et ce sera terminé pour les grands coups. Et deux creusets aussi. On va faire un creuset. L'épisode 19, je pense. C'est dingue. Et voilà une bonne chose de faite. Regardez, hein, toujours aussi magnifique. Regardez-moi ça là-haut là. Ils sont gigantesques. C'est magnifique encore une fois. C'est parti, on descend. Il va faire son petit coup d'IUM. Allez, on se casse. 7500 XP, je dis oui. Un point de compétence supplémentaire, je dis oui. Ça c'est le mien ça, hein. C'est mon frérot, hein. Oh là 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 là, c'est bon ça. C'est bon. Avant de se laisser, on va tout simplement attribuer nos points de compétence. On en a quand même 8, c'est pas négligeable. Voilà à quoi j'ai pensé. Double la capacité du sac médicinal, c'est plutôt pas trop mal. Herboriste, je prends. Fabriquer des munitions supplémentaires avec la même quantité de ressources, c'est plutôt cool. Je prends. Et probabilité accrue de récupérer des ressources supplémentaires sur des machines abattues. Ça va aller beaucoup plus vite quand on va ramasser, donc je prends. Je trouve ça très 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 intéressant. Appelle mon tour de plus, appelle une nouvelle monture piratée si aucune monture n'est disponible. Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal, on a plus de points de compétences. Donc on a l'arbre de survivants presque au complet. Si vous voulez que je débloque une compétence en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vais pouvoir m'y attarder. Tout ça pour vous faire plaisir, on va regarder la carte quand même. Donc là on aura des missions qui nous emmèneront là-haut, hein. Je doute pas une seule seconde. Et c'est une belle carte que nous avons là, avec des nouveaux animaux, comme ça par exemple, ou ça, ils ont des têtes frères, on n'est pas bien. On verra un petit peu ce que ça donne. Il nous reste un grand coup qui est juste ici, et qu'on se fera avec le creuset, épisode 19, on a déjà le programme. N'oubliez pas de j'aime et de commentaire, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.